commençons le cours. Première chose qu'on a un peu revue hier, on va voir que le cœur des intrigues, il va falloir absolument maîtriser ce double tableau. Et je vous préviens instantanément, je l'ai dit hier après-midi, parce que ça m'est venu à l'idée de façon magistrale. La semaine prochaine, votre interro de mardi après-midi, c'est de connaître toutes vos primitives par cœur. Voilà. Et je rajoute les propriétés de l'intégrale, mais il n'y a pas grand chose d'autre à part la positivité, on en reparle. Donc les propriétés, la linéarité, enfin les petites propriétés de l'intégrale. Mais moralement, ce qui va vous demander de l'apprentissage, ce sont ces tableaux-là. Je ne pourrais rien faire si vous ne connaissez pas ces tableaux-là. Ils ne sont pas très grands, il n'y a pas beaucoup de cas, faut savoir le faire. Donc maintenant, avant de parler de toutes les propriétés intéressantes de l'intégrale, et je le rappelle, ça ne concerne pas la façon de les calculer, je veux revenir sur ce que j'ai expliqué hier et que j'avais encore expliqué vendredi, on va encore revenir sur notamment la recherche de formes de référence. Je vous ai donné une méthode qui est un peu ce que je vais appeler marteau-pilon pour exhiber vos formes de référence. Elle n'empêche que cette méthode est globalement mauvaise si vous avez une bonne intuition mathématique. Ce que je veux dire par là, c'est que à tout moment, la seule chose qui m'intéresse, c'est que vous reconnaissiez la forme de référence. Je ne vous imposerai jamais d'utiliser une méthodologie pour trouver une forme. La seule chose, c'est quand vous ne les voyez pas, il vous faut un moyen pour essayer de les rechercher. C'est juste ça. Mais on va faire notamment, là, j'ai pensé à un exemple simple qui est dans le poly, je ne sais plus à quel exo, mais qui me permet de vous expliquer ça facilement. Si je vous demande de me calculer, par exemple, c'est une des questions des exos du poly, peut-être pas avec les bonnes bornes, mais l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cos 3x dx. Donc encore une fois, cette question est une question de calcul, ce n'est pas une fonction constante, donc ça ne va pas être un calcul qui va se faire par une surface, ça se fait forcément pour le moment par primitive ou forme de référence. Je vais réappliquer brutalement ma méthode, mais moi je vais vous dire comment je raisonne moi, mais j'ai légèrement de l'intuition en maths, pour essayer d'aller plus vite. Parce que ma méthode est longue et fastidieuse, c'est pour ça qu'en général je vous l'aimais pas, mais elle marche tout le temps. Donc première question que je me pose à chaque fois que j'arrive sur calculer une intégrale, est-ce une primitive de référence ? Est-ce que cos 3x, vous en connaissez, c'est dans votre tableau de primitive de référence? À froid, non. Donc ça, je suis d'accord avec vous. Est-ce que certains ont une remarque à faire par rapport à ça? Ce sera ma remarque du point de vue intuition. C'est ce que je vais faire quand je vais faire la méthode intuitive après. Pas pour le moment, j'en parlerai après. Donc si c'est pas... on va faire une recherche de forme. Les recherches de formes, on va voir qu'elles sont assez simples dans ce cas-là, même très 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 simples. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'intéressant pour u de x? Pour moi, il y a vraiment et potentiellement que deux choix. Soit on pose u de x égale 3x, soit on pose u de x égale cos 3x. Sauf que je l'ai répété plein de fois, ce deuxième choix est très souvent, je ne vais pas dire 100% du temps, peut-être que parfois ça marchera bien, mais ce choix est pratiquement tout le temps mauvais. Car la forme de référence va forcément faire apparaître du u', et si vous prenez toute la fonction, il n'y a pas de u' qui apparaît naturellement, donc vous allez devoir le forcer à apparaître, et s'il n'y a rien d'autre que ça et que vous forcez à apparaître un u', il va vous rester forcément des x quelque part. C'est nécessaire. Donc ce choix est un mauvais choix, je l'ai déjà expliqué point de fois, je ne réécris pas plus. Donc clairement là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser u de x égale ici, u de x égale 3x, ça va être assez simple, u prime de x, ça fait 3. Si j'applique brutalement la méthode dont je vous ai parlé hier, je pars de mon intégrale, donc intégrale de 0 à pi sur 3 de cos 3x dx, je commence par faire apparaître u, ça c'est logique, et en général vous n'avez pas de mal avec ça, et ensuite, si ça n'apparaît pas naturellement, je force u prime à apparaître. Donc pour forcer u', je vais juste
Alors, en multiplication, hein, vu que j'ai dit que, enfin, je vous avais déjà expliqué que dans toute forme de référence, il y a du U' en multiplication au numérateur. Donc, je vais faire fois U' divisé par U'. Sauf que ça ne m'intéresse pas de faire apparaître du U' au dénominateur. Donc, je ne vais pas faire apparaître U' au dénominateur. Je vais faire apparaître son expression. Donc, ça me fait fois du U' sur 3 dx. Donc ça, instantanément, je peux. Il ne reste pas de terme en x. Instantanément, ici, vous êtes tombé sur une forme de référence. On peut sortir tout ce qui est constante, ça ne va pas nous gêner. Ça vous fait du 1 tiers de l'intégrale de 1 sur 3 de u' de x, cos de u de x. Dx. Alors maintenant, je vais effacer mes tableaux là-haut parce que je vais vous expliquer la dernière étape pour savoir ça. Mais avant d'effacer mes tableaux, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quelle forme de référence par rapport au tableau de forme? Alors c'est très bête. Mais puisque il n'y a pas de sinus, il n'y a pas de cos dans mon tableau, c'est à peu près évident. Si c'est une forme, quelle forme c'est, Léo? Oui, c'est du. Enfin, du coup, la forme, moi je parle plutôt de la fonction à primitive, mais du coup, c'est du Véron U qui est caché dans cette forme de référence. Et oui, parce qu'on n'a aucune forme en sinus. Je vous ai dit, dès qu'il ne reste plus du X isolé, c'est une forme. C'est que la forme, elle est en Véron U. Alors, donc ce qu'on est en train de voir, c'est du U' fois du V' de U de X. Donc je rappelle que V' c'est cos, donc le Véron U, la fonction V, c'est plus sine ou moins sine. C'est marqué encore au tableau. La primitive de cos, c'est sine. Là, on remonte pour primitiver les flèches. Donc, ne vous trompez pas là-dessus. Alors, ça, c'est la bonne façon de faire. Oui, Sana? Alors, quand on introduit de force U', tu veux dire, ici? Alors, ça c'est juste ce que je vous ai dit à l'oral, c'est parce que, car il ne reste aucun X isolé. Non, c'est à cette étape-là. Enfin, ouais, ou dès que tu as simplifié. Là en bas, comme tu vois qu'il ne reste aucune étape, tu sais que tu as forcément une forme de référence. Je me suis permis de sortir aussi les constantes, mais ça, c'était juste, il faut qu'il ne reste aucun x isolé. Il n'est pas dans un u' ou dans un u ou dans une fonction comme cos, comme x, comme ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez bien cette idée? C'est pas, encore une fois, c'est pas une idée mathématique propre que je peux vous définir. Est-ce que vous comprenez cette idée de, il ne reste pas de x isolé? Bon, si ça c'est clair, c'est dès ce moment-là, je vous assure, vous avez une forme. Le seul défaut qui reste, c'est reconnaître cette forme. Donc, reconnaître cette forme, c'est utiliser vos tableaux ou utiliser l'astuce suivante qu'il faut que vous compreniez. Enfin, qu'il faut que vous compreniez. C'est assez au brouillon, vous ne me l'écrivez pas sur une feuille, vous n'y avez pas le droit pour le moment et vous ne savez même pas encore ce que ça veut dire. Mais si vous avez. Donc, si vous tombez sur une forme. Sur une forme que vous ne reconnaissez pas. Vous pouvez faire, c'est vous recopier au brouillon. Je veux surtout pas que vous m'écriviez ça sur une feuille. C'est encore une fois des choses que je ne devrais pas vous expliquer, mais je préfère que vous sachiez répondre à la question plutôt que faire autre chose. On a ça. Vous allez me remplacer. Vous avez même pu mettre deux bornes. Vous allez dire que c'est équivalent au point de vue logique où je m'en fiche. Vous allez me remplacer dans l'intégrale de u' de x par 1. Et le u de x par grand X. Et le dx par d grand X. Ce qu'on appellera plus tard un changement de variable. Si vous faites ça, cette intégrale sans les bornes devient, vous êtes d'accord, du cos grand X d grand X. Et donc, au brouillon, si vous me faites ça maintenant, je veux que vous me disiez, vous devez juste réfléchir à une autre question qui était l'étape 1. Donc à ce moment-là, c'est retour sur l'étape 1. Est-ce que c'est une primitive de référence? Je vous assure que si vous avez trouvé une forme de référence, ceci doit être une primitive de référence.
C'est quoi la primitive de cos? C'est sine. Retour sur 1. Primitive. La primitive est sin x. Et là, maintenant, vous effacez, on arrête le brouillon. Je vous le dis, la conclusion de ce petit calcul interne, c'est donc que la forme, si ma primitive c'est du sin grand x, c'est que ma forme c'est du sinus u de x, vu que le grand x, je l'ai posé égal à u de x. Donc, on a une forme en sinus u de x. Donc, ce qui veut dire quoi? Donc, je finis mon calcul maintenant. L'intégrale de 0 à pi sur 3. Je vais peut-être pas le finir là. Je peux effacer la partie du bas. Le 1 sur 3, il vient du sur 3 qui est là, que j'ai juste sorti de l'intégrale. La linéarité de l'intégrale. On a le droit de sortir toutes les constantes multiplicatives et de séparer les intégrales en deux quand il y a des sommes. Ah, ça, c'est la commutativité du produit. A fois B, ça fait B fois, c'est tout. Il n'y a que des fois. Donc, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de feinte. C'est juste qu'en général, dans toutes les formes de référence, si je vous remets le tableau d'avant, le U' est toujours écrit devant. Donc, c'est juste pour vous, pour que vous arriviez à mieux le lire. Moi, j'en ai pas besoin de le mettre devant. Donc ça, c'est si vous ne reconnaissez pas dans votre tableau le verron U, ça vous permet de contourner le verron U notamment. Donc maintenant, j'efface le bas pour pouvoir écrire mon intégrale, ce que j'allais écrire là, mais j'ai envie d'avoir de la place. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 3, c'était du cos 3x, dx. On avait déjà obtenu qu'il valait un tiers de l'intégrale de 0 à pi sur 3 de U' de x, cos u de x, dx. Ce que je viens de dire, c'est on a une forme en sinus u de x là-haut, donc ça devient instantanément un tiers du crochet sinus de u de x entre 0 et pi sur 3. Maintenant, il reste à calculer le crochet. Certains avaient du mal hier, ça m'énerve, donc je vais le faire. Ça fait en deux temps du sinus u de pi sur 3 moins un tiers de sinus u de 0. Alors, U, je rappelle, elle n'est plus écrite nulle part vu que je l'ai effacée, mais U de X, notre choix, c'était 3X. Donc ça fait du 1 tiers de sinus de 3 fois pi sur 3, moins 1 tiers de sinus de 3 fois 0. Ça fait du 1 tiers de sinus pi moins sinus 0. Je vous laisse apprendre votre tableau par cœur, mais je vous assure que ceci, ça fait 0 moins 0. Donc ça fait 0. Donc voilà pour la méthode classique que je veux que vous sachiez développer vite et bien. C'est-à-dire que là, encore une fois, j'ai bien détaillé, mais il y a beaucoup de choses à faire au brouillon, vous faites des petits calculs vite fait, dès que vous avez la forme, vous rédigez la bonne rédaction, et c'est ça qui m'intéresse. Mais je suis d'accord que c'est une perte de temps et que c'est long, si vous devez faire plein de calculs comme ça et plein de recherches à chaque fois. Du coup, on peut faire aussi des méthodes beaucoup plus intuitives. Ça, par contre, ces méthodes intuitives, je peux pas vous les apprendre, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment moi je le vois, mais je pourrais jamais vous apprendre à comment réfléchir comme ça ou tester ça, et je sais même pas, il n'y a pas de règle pour dire là c'est efficace ou là c'est pas efficace. Demain on avait dit que oui, c'était 3x, mais on enlève le x, du coup, comme le x, c'est ça. Donc, si c'est 3x, ça fait quoi? U de pi sur 3. Si u de x, c'est 3x, u de pi sur 3, c'est 3 fois pi sur 3, c'est tout. Je remplace une fonction. Hein. Non, il y a un truc qui ne va pas. Dès qu'on met les crochets, alors il y a encore du x dès qu'on a la forme avec les crochets autour, mais dès que tu passes à la ligne d'après où tu m'enlèves les crochets, il ne doit plus y avoir, alors je ne vais pas moi dire de x, il ne doit plus y avoir la variable qui était en dx dans l'intégrale. Enfin là, si c'est du dx, il ne doit donc plus y avoir de x. Tu auras le droit d'avoir encore du x si ton intégrale était en dt, mais dans ce cas-là, après avoir enlevé des crochets, tu ne dois plus avoir de t. C'est impossible.
C'est strictement impossible. Ok ? Ça te va mieux dit comme ça ? Bon, ça c'était la méthode bourrine, entre guillemets. Enfin, on applique ça, ça marchera. Vous allez toujours la trouver, il faut que vous sachiez le faire. Sana, oui. Non ? Sinus pi, cercle trigo, ou alors tableau avec les valeurs, mais sinus pi, il est où l'angle pi maintenant que je vous ai rappelé que le périmètre d'un cercle ça faisait 2 pi. L'angle pi il est ici. Donc quelle est la valeur du sinus? Le sinus se lie en ordonnée, son sinus fait 0. Première façon que j'aimerais bien que vous sachiez maîtriser. Sinon, est-ce qu'il y a une façon plus simple pour après Non, il n'y a pas beaucoup plus simple quand même pour trouver, pour se repérer dans les valeurs que de faire ça. Après, je peux faire ce que j'avais expliqué globalement dans les. Je pourrais expliquer ce que j'avais expliqué en remédiation de complexe, mais c'est long pour ce qu'il y a là. C'est pas ce qui m'intéresse. Je veux avancer un tout petit peu sur les intégrales là en ce moment. La preuve, ça fait déjà une heure. Du coup, ce que j'appelle la méthode 2, c'est je repars en fait de mon point 1 où j'ai dit cos 3x. On ne connaît pas de primitive de référence. Personne n'a rien à me dire là-dessus. Johnny ? Trop puissant. On ne sait pas ça. Mais c'est à peu près la même idée. Donc je vais calmer le jeu. Mais si tu sais ça, tant mieux. Je ne vais pas t'empêcher. Hein, mais je ne peux pas donner à tout le monde d'apprendre ça. C'est une formule en plus qui ne sert pas à grand-chose. Donc, enfin, encore une fois, je vais vous remplir vite votre mémoire. Vous en faites pas. Donc, si on peut éviter. Oui. Je vois plus simple, tu dis directement que le cos 3x, c'est du prix de roule, du déroule, du coup, c'est pas la dérivée, c'est positive, non, V' fois V' du prime, du coup, à partir de ça, enfin, c'est plus simple. Et du coup, on sait que le V', du coup, ça devient cos, enfin, avec V', c'est égal à cos, et que du coup, V' on va l'enlever. Vous voyez ce que c'est qu'un TD en mental math? C'est ça. Non, mais j'ai compris ce que tu veux faire. Il y a un problème dans ton réflexion ou c'est dans l'explication que tu en as donné parce que là, tu es en train de me dériver plutôt que me primitiver. Ah, mais vu ce que tu m'as dit à la fin, c'est que tu vois les choses. Mais c'est ce que je vais arriver à faire moi. Mais c'est juste une idée simple avant, mais qu'il faut tester au hasard, entre guillemets. Donc, c'est ce que j'arrive. Mais cos x, vous savez que ça se primitive en sin x. Voilà, alors l'idée c'est, voilà, et donc là c'est juste une idée intuitive. On pourrait tenter, enfin tout simplement, on pourrait tenter de primitiver. En quoi du coup si on avait du cos 3x, sans trop réfléchir. Si la primitive de cos x c'est sin x, primitiver cos 3x en sinus 3x. Cette idée est logique. Ne faites jamais ça brutalement en disant « Oh, je m'en fiche, il n'y avait pas pile x, mais je fais ce que je peux. » Par contre, cette idée-là peut se concevoir. Comment on peut vérifier si c'est la bonne primitive? Voilà, et c'est plutôt ton idée. Maintenant, c'est là que j'arrive à ton idée, Arthur, on est d'accord. Donc maintenant, je vais poser grand F de x égale sinus 3x. Je vais dériver grand F prime de x. Bah, vous devez savoir la dérivée d'une composée. Donc ça, c'est du V rond U de X avec V qui vaut V de X qui vaut sin X et U de X qui vaut 3X. Donc je vais un tout petit peu vite pour la dérivée, mais c'est du U prime de X fois V prime de U de X. Donc ça me fait du 3 fois cos 3X.
Et donc, on a bien fait de vérifier. Sinus 3x n'est pas la primitive de cos 3x, vu que f' ne vaut pas cos 3x. Mais si on divise par 3 f', on a bien trouvé une fonction qui a pour dérivée cos 3x. Donc, si on divise par 3 grand F, on a bien trouvé une fonction dont la dérivée vaut cos 3x. Et vous avez trouvé une primitive comme ça. La seule chose qui est importante, c'est que dans le cadre du crochet, vous mettiez la bonne valeur. Donc, j'efface tout le bas. F' ne vaut pas cos 3x, mais F' sur 3 pris en x, la fonction F' sur 3. Alors, je ne vais pas mettre de parenthèse ici pour le moment. F' de x sur 3, c'est égal à cos 3x. F' de x sur 3, est-ce qu'on est bien tous d'accord que par linéarité de la dérivation, vous avez le droit de sortir les constantes multiplicatives de votre dérivation, c'est la même chose que de dériver f sur 3. Donc, là, on peut en déduire, donc f sur 3 est une primitive de cos 3x. Et donc, à ce moment-là, je ne vais pas tout refaire, mais directement, vous m'écrivez ça. Donc, encore une fois, je vais le rajouter, mais tout ça, pour moi, ça peut être fait au brouillon. L'intégralité de tout ça, ici, ça peut être fait au brouillon. La seule chose que je veux voir sur une copie, je vous dirai jamais rien pour trouver une bonne primitive. Ça fait du sinus 3x sur 3. Et on est revenu à calculer le crochet comme tout à l'heure. Oui. Absolument pas, au contraire. Ne le faites pas. Ouais, non, je vous dis, ne le faites pas. Si c'est pour reconnaître une forme, la seule chose que je veux voir, c'est du U' quelque chose U de X. Et donc, c'est-à-dire même les étapes de simplification, à la limite, du moment que votre calcul est bon, on ne va pas trop chercher. Moi, je vous le force à apparaître, c'est juste pour que vous voyez bien qu'on peut le faire apparaître quoi qu'il arrive tout le temps. Mais on veut voir la forme et après la primitive en signe de U de X. Mais si vous voyez directement la primitive en intuitant, je peux pas vous empêcher de chercher 2 heures au brouillon et tester toutes les fonctions du monde et essayer toutes les dérivées, de tomber au hasard sur la bonne primitive, tant mieux pour vous. Donc ne vous en faites pas. C'est pour ça que je vous dis qu'en intégrale, il y a plein pour si c'est pour primitiver. Du moment que vous avez la bonne primitive, on vous embêtera pas. C'est vraiment un point sur lequel il y a plein de choses à faire. Il y a des gens qui vont apprendre, au lieu de faire ça, qui vont apprendre, bah, comme Tijani connaît déjà la formule, sinus de cos de AX, sa primitive, c'est du sinus de AX sur A. Si vous avez cette formule-là, vous allez plus vite. Donc, là, c'est juste une question de essayer d'aller au plus vite et de faire avec ce que vous êtes capable de retenir et de refaire. Le reste, on s'en fiche pas. Si vous êtes capable d'apprendre toutes les formules qui existent en intégration, à mon avis, si vous allez dans le rondi et que vous regardez toutes les formules qu'il a mis, il a dû en mettre son tableau à lui, il ne doit pas faire 4 formules. Il faut en faire 30, et comme ça, vous allez tout faire. Si vous avez la place d'apprendre ça, faites-le. La seule chose, c'est ne venez pas vous tromper en DS. Et je préfère 100 fois vous perdez 5 minutes et que vous ayez bon, que de croire que vous savez toutes les formules du monde. Et la pire chose que vous pouvez faire, c'est croire à une formule ou alors ne pas la vérifier. Du coup, dire, mais si cette formule c'est ça, vous n'en êtes plus sûr, vous l'écrivez, vous faites vos calculs, tout est faux. Et si ne serait-ce que vous l'avez vérifié, notamment quand vous pensez à une primitive, il n'y a rien de pire que le truc qui m'énerve le plus, c'est quand vous balancez des primitives avec des arguments complètement vaseux. Et que moi, la seule chose que je peux vous dire, mais c'est évident que c'est faux, si je redérive, ça fait pas du tout la fonction que vous voulez trouver. Donc, typiquement, on sait pas, vous savez pas encore le faire. Mais typiquement, on verra dans un petit moment comment calculer ça et ça m'énervera quand vous vous tromperez et vous tromperez parce qu'on le fera. Je le vois à chaque fois que je le donne en DS. Il y a une suite d'intégrales classiques qui s'appelle les intégrales de Wallis, c'est ça. On appelle ça IN, c'est ce qu'on appelle, enfin, ça se nomme souvent IN, on appelle ça les intégrales de Wallis. Dans les intégrales de Wallis, il y en a une un peu compliquée qui est celle-ci à calculer. On ne sait pas la calculer pour le moment, vous ne savez pas le faire. Enfin, je peux vous faire bidouiller des trucs pour vous y arriver sans trop de difficultés. Mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie que vous embêtiez à savoir calculer ça. Mais
J'ai chaque année des gens qui à ce moment-là écrivent « Ah, oh, je suis un génie sinus t fois t, ah ben bah, je sais comment on primitive sin, je sais comment on primitive sin, la primitive c'est du moins cos fois moins cos. » Déjà, première chose, l'intégrale de u' v' ne fera jamais, on va le voir plus tard, ça ne se primitive jamais en uv, parce que de toute façon la dérivée de uv, c'est pas u' v', c'est u' v plus uv'. Donc ça, c'est archi faux. Et du coup, quand vous dites la primitive de sinus fois sinus, ça va être ça, c'est archi faux. Et du coup, ce qui m'énerve le plus, c'est que vous me trouvez donc que la primitive de sin carré, c'est cos carré. Et si vous dérivez cos carré, vous tombez sur moins 2 sin cos en dérivant. Est-ce que ça ressemble à sin carré? Non. Donc clairement, c'est pas une primitive. C'est-à-dire si la personne qui m'écrit ça, et j'en ai... Alors la dernière fois que j'ai donné ça, vu que je l'ai donné en DM l'année dernière, donc en DM ils m'ont pas trop fait de bêtises, mais il y a 2 ans je l'ai donné en DS, en concours blanc, en fin d'année. J'ai eu 1/3 de la classe qui m'a écrit. Voilà, t'es pas content. Mais voilà, et donc ce qui est le pire dans là-dedans, c'est de ne même pas avoir vérifié que la primitive que vous avez balancée avec un argument que vous savez clairement vaseux, parce que quand vous faites ça, vous savez très bien que vous êtes en train de faire des fausses maths. Enfin, ou au moins vous savez que vos maths elles sont pas très nettes. Vérifiez au moins ce que vous faites. Au pire, si vos maths n'étaient pas nettes, mais que vous tombez sur la vraie primitive, au pire, en toute justification que vous pourrez tout le temps faire pour justifier une primitive, c'est vous dites, je pose... alors là, est-ce que je suis capable de la retrouver de tête, cette dérivée? Non, parce qu'en plus, on faut linéariser, du coup, vous n'allez pas comprendre qu'on est tombé là-dessus. Mais si c'est je pose grand F de T égale cos carré de T, et vous la dérivez. Et si vous retombez sur votre fonction que vous vouliez, alors dans ce cas-là, magiquement, vous venez de prouver que vous avez une primitive. Mais vérifiez. Faites pas des calculs pour rien. Alors, on arrête avec ça pour le moment. Parce que je veux surtout arriver au point le plus important de ce chapitre. C'est pas la recherche de forme, c'est pas le calcul d'intégrale, je vous le garantis. Ça va représenter 10%, 20% des questions d'intégrale, pas plus. 80% du temps, ça va être un mélange d'études de fonctions, de compréhension des fonctions, et surtout d'une propriété fondamentale de l'intégrale qui s'appelle la positivité de l'intégrale. Alors, j'aurais même pas dû l'écrire comme ça, je regrette de plus en plus. Que ça, je l'ai mis là-dedans parce que je vous ai expliqué ça vis-à-vis de la structure de surface. Donc, je vous ai parlé de la positivité de l'intégrale là-dedans. Si f est positif sur ab et a strictement plus petit que b, alors l'intégrale de a à b de f de t dt est positive. Et on a vu, alors j'ai pas écrit toutes les variantes, mais on a vu vendredi toutes les variantes. Si f est négatif sur ab et si les bornes sont dans le bon sens, l'intégrale est négative. Si f est négative et que les bornes sont dans le mauvais sens, l'intégrale est positive. Si f est positive et les bornes dans le mauvais sens, l'intégrale est négative. Donc on peut faire 4 variantes de cette propriété, vous avez le droit de l'utiliser, on ne vous dira jamais rien. Par contre, ce qui m'énerve, enfin ce que je regrette, c'est que je vous l'ai mis sous forme d'une propriété. Ça, c'est un des points pour moi, par contre, qui demande justification. J'aurais dû vraiment l'isoler comme un théorème. Je vais voir ce que j'ai fait après, parce que j'ai peur de l'avoir mis aussi en propriété après, ça m'énerverait. Dans la partie aller plus loin, ouais, je l'ai réécrit comme ça. Bon, je l'ai réécrit sous forme de propriété. Je vais le recopier là, et on va appeler ça plutôt un théorème. Mais c'est dans la partie aller plus loin, je vous ai mis une propriété que j'ai appelée croissance entre guillemets, et que j'ai remis derrière positivité de l'intégrale. Ça, je ne vais même pas appeler ça propriété, vous pouvez me barrer ça, je veux appeler ça théorème. Ce que je veux que vous me dites, c'est quand vous m'utilisez la positivité de l'intégrale, je veux que vous me l'expliquiez par juste une phrase. Les bornes sont dans le bon sens, les fonctions vérifient ça par positivité de l'intégrale. Hop. Alors, c'est une variante qui est écrite ici, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Ce que j'ai écrit ici, c'est que si A est plus petit que B, et si pour tout X, F de X est plus petit que G de X, alors l'intégrale de AB de F de X dx est plus petite que l'intégrale de AB de G de X dx. Première chose, et pourquoi pour moi je ne veux pas appeler ça de la croissance, même si certains vont appeler ça de la croissance de l'intégrale dans plein de bouquins. Parce que déjà, comment vous me prouvez ça? Je veux prouver que f de x moins g de x
plus petit, enfin, je veux prouver le résultat qui est là, je vais étudier le signe de ça. Je veux le signe de ça. Donc, je vais regarder le signe de cette intégrale-là. C'est exactement ce que vous avez fait plein de fois. Comment se trouve le signe de cette différence d'intégrale? On met tout sous la même intégrale par linéarité. Ça, c'est l'intégrale de AB. La preuve n'est pas super importante. C'est juste pour vous expliquer pourquoi moi, j'appelle ça de la positivité de l'intégrale. Ça fait l'intégrale de AB de f de x moins g de x dx. Or, ceci est globalement négatif, donc inférieur ou égal à 0 par hypothèse de la propriété ou du théorème. Ça, c'est dans le bon sens, entre guillemets, par hypothèse de la propriété. Donc, par positivité de l'intégrale, la quantité globale est négative. Donc, forcément, l'intégrale de f de x est plus petite que l'intégrale de g de x. Donc, en fait, cette propriété qu'on appelle croissance de l'intégrale, c'est la positivité en une ligne, en décalant tout dans le même membre. Donc, c'est pour ça que moi, je l'appellerais toujours positivité de l'intégrale, surtout qu'il y a concurrence avec une autre propriété que d'autres profs appellent croissance de l'intégrale. Et quand moi, je vous parlerai de croissance de l'intégrale, je vous parlerai de ça. Je ne l'ai pas écrite dans le poly, cette propriété, parce qu'on ne va pas trop s'en servir pour le moment. Et en plus, c'est encore une fois, même cette autre propriété de croissance de l'intégrale, c'est aussi une propriété de positivité de l'intégrale aussi, tout simplement. Mais imaginons que je vous donne une fonction f positive. Alors, on va faire juste un exemple pour parler de ce que moi, je vais appeler plus souvent la croissance de l'intégrale, mince. Imaginons que je vous donne une fonction f de x qui est positive, tout le temps. On s'en fiche. Je vais faire en borne 0 et je vais mettre t en borne, t1. Et je vais vous demander, je vais regarder l'intégrale de 0 à t1 de f de t dt. Clairement, par positivité de l'intégrale, ce nombre est positif, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et ça, j'ai envie, vu que j'ai mis une borne en haut qui s'appelle t1, j'ai envie de voir ça comme une fonction de la variable t1. J'aurai le droit. On verra ça plus tard. Ceux qui ont regardé l'exo-object que j'ai mis en DM4, en exo2, ça parle de ça. Ne regardez pas ça pour le moment, vous n'êtes pas prêts. Plus tard, quand on en aura parlé un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux remplacer et je veux pas regarder de 0 à t1, mais que je veux aller jusqu'à t2 et que je vais même mettre une contrainte que t2 est plus grand que t1. Ben, je vais avoir une quantité f de t2 qui va être l'intégrale de 0 à t2 de f de t dt. Mais clairement, qu'est-ce que vous pouvez me dire entre f de t1 et f de t2? Entre le nombre rouge et la surface rouge et la surface noire? Gaspard? Strictement même, on peut être inférieur ou égal. Donc en fait, si je vois ça comme une fonction des bornes T1 et T2, j'ai dit que si T1 est plus petit que T2, alors ça montre la croissance de la fonction grand F. Donc ça s'appelle aussi la croissance de l'intégrale. Est-ce que c'est la même propriété que ce qui est écrit ici par certains bouquins comme la croissance de l'intégrale? Non. Mais donc, faites attention en colle, on n'a pas tous le même vocabulaire, d'autres couleurs peuvent vous parler de croissance de l'intégrale quand moi je vais marteler, positivité de l'intégrale. Sur une copie, les deux arguments seront valides, on va comprendre très bien que vous passez à l'intégration du moment que vous expliquez que vos bornes sont dans le bon sens et vous avez une inégalité, ne vous en faites pas. Dernière chose, pourquoi est-ce que f de t1 est plus petit que f de t2? C'est aussi encore une énième fois de la positivité de l'intégrale, parce que f de t2, c'est l'intégrale de 0 à t2 de f de t dt. C'est donc par Schall. C'est donc l'intégrale de 0 à t1 de f de t dt, plus l'intégrale de t1 à t2 de f de t dt. Et c'est normal, parce que cette quantité-là, les bornes sont dans le bon sens, la fonction est positive, donc par positivité de l'intégrale, cette quantité-là est bien plus grande que la première. Donc c'est pour ça que s'il ne doit y avoir qu'une seule propriété sur les intégrales à manipuler à tour de bras et à essayer d'utiliser au maximum avant de tenter le moindre calcul de primitive, c'est la positivité de l'intégrale. Si j'arrive à vous faire rentrer ça, que c'est ça qu'il faut utiliser en priorité, mais on va gagner un temps fou et plein de méthodes et plein de choses. Enfin, c'est vraiment l'idée la plus fondamentale qu'on va développer. Alors, bien sûr, en tant que positivité, ou dans la variante que j'ai écrite ici, avec une
inégalité. C'est la même chose pour moi. Autre cas aussi, cette variante, c'est ce que tu as fait hier en TD, Héloïse. On peut parler de cette variante comme aussi la positivité. Si je remplace f de x par la fonction constante égale à 0, je suis bien en train exactement de réécrire la notion de positivité de l'intégrale. Parce que l'intégrale de 0, en termes de surface, ça fait 0. Donc ça va bien retrouver exactement la positivité de l'intégrale. Voilà pour cette explication de la positivité de l'intégrale. À quoi ça sert? Alors maintenant, par contre, je vais avoir raté mon truc. Non, j'ai bien. Non, c'est pas dans les devoirs. Non, bah c'est bien dans le chapitre moins 1, je suis bête. Donc j'avais déjà ouvert. Donc c'est plus loin. Ok. Ah, faisons un truc, on n'a pas trop eu le temps de le regarder hier. Je voulais le garder justement pour ça. On va prendre la partie B du sujet, donc c'est le sujet Liban 2009. Je ne vais pas faire la question 1, parce que la question 1, c'est juste lié à l'étude de fonction qui est au-dessus. Donc là, pour aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de justifier que l'intégrale vaut ça, c'est juste une histoire de surface. On vous embêtera pas trop avec les histoires de surface. Ce que je veux dire, que les questions de type bac, vous savez, de type définir quelle est la surface définie par la zone, définie par les droites verticales de l'équation x égale a, x égale b, en dessous de l'axe des ordonnées, en dessous de l'axe des abscisses, on va pas vous définir une intégrale comme ça. On vous dira soit IN, un truc horrible avec 7 variables dedans, et on vous dira débrouillez-vous avec ça, expliquez-moi des trucs dessus. Donc toute cette partie-là, un peu d'explication de la surface vaut tel nombre, moins. Donc nous, on va plutôt, on admet que pour tout entier naturel n, on a un nombre dn qui vaut ça. Et voilà pourquoi les études d'intégrale vont être aussi souvent liées aux études de fonctions, et voilà pourquoi je vous ai déjà fait tout un laïus sur les études de fonctions avant. Là, il y a un montré en rouge, c'est parce que j'ai tiré ça d'un sujet de bac. Je vous assure que dans le sujet de bac, c'était on admet que pour tout réel x, ln de 1 plus exponentielle moins x est plus petit qu'exponentielle moins x. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, dn est plus petit que 1. Bref. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire toute la question 2, parce que ça, c'est ce que je vais vous demander dans des devoirs, typiquement. Et donc, là-dedans, pour moi, il y a beaucoup plus d'idées, même si on n'arrive pas à conclure la question, liées à la positivité de l'intégrale que du calcul de primitive. Il y a un petit calcul de primitive quand même, mais il est négligeable en termes d'arguments par rapport à tout le reste. C'est-à-dire, vous faites tout le reste, vous avez 90% des points, la petite primitive à la fin, c'est 0,25. Enfin, c'est un petit bout de point et c'est tout. Alors que la positivité de l'intégrale, sur la même question, sera sur 1. C'est-à-dire pour l'avoir utilisé proprement avec toute la justification des bandes dans le bon sens et tout, et des hypothèses, un point minimum, si la primitive vaut juste 0,20. Alors, question. Première partie de cette question, je dois montrer que pour tout réel x, j'ai ln de 1 plus exponentielle moins x qui est plus petit qu'exponentielle moins x. Comment vous montrez ça? Manon. C'est la meilleure idée qui soit. Alors, pourquoi est-ce que... Alors, l'idée de Manon, au cas où les autres vous n'avez pas entendu, c'est de... On passe tout du même côté, on appelle ça une fonction et on étudie le signe de la fonction. C'est la meilleure idée qui soit ici. Pourquoi? Alors, c'est, pourquoi c'est la meilleure idée? C'est aussi comprendre pourquoi les autres sont moins bonnes. Simon? C'est celle où on fait une subinégalité, où on dézoome les deux x, en fait, de côté, en fait, il y a un moment, on va débloquer, parce qu'il faudra faire plus 1, et après, on va faire l'hélène. Voilà, alors ce que j'ai dit, mais c'est pour revenir à ça, c'est exactement ça que je voulais entendre Simon, c'est que les deux termes de chaque côté du membre ne sont pas ce que j'appelle moi, c'est pas clair encore, hein, mais de même nature. Donc on peut, si vous faites une succession d'inégalités, si vous faites une amorce, ça ne marchera pas. Enfin, vous allez pas, vous devrez obtenir un ln des deux côtés. Alors ça peut marcher parfois si les deux ln se simplifient. Si vous composez par ln des deux côtés et que d'un côté les ln se simplifient. Mais moralement, si les termes n'ont pas la même nature, c'est-à-dire si vous comparez un sinus ou un sinus, ça paraît logique. Si vous comparez un cos à un cos ou un ln à un ln, ça paraît logique. Mais comparer un ln de 1 plus une exponentielle à une exponentielle, je ne le vois pas aussi là, Marty. Et pour le moment, les deux méthodes que vous avez pour prouver un truc pour tout x, c'est amorce et étude de fonction. C'est ça que je veux que vous ayez en tête direct dès que vous avez une question comme ça. C'est pas « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» C'est « J'ai deux méthodes, testons les deux.
Là, avec toujours après votre intuition qui vous permet d'aller plus vite ou pas. Donc ici, on va faire une étude de fonction. Alors maintenant, ça dépend si vous êtes plutôt du genre à passer à gauche ou à passer à droite. Posons. Donc ça, je vais m'écrire moi au brouillon. Donc là, encore une fois, en orange, je vais être au brouillon. Je vais me dire au brouillon que ça, c'est équivalent à ln de 1 plus exponentielle moins x moins exponentielle moins x négatif. OK, j'ai compris ça. Donc, A en rédaction, je vais écrire posons f de x égale ln de 1 plus exponentielle moins x moins exponentielle moins x et étudions f sur r. Alors, pourquoi sur r? Le r qui vient là, qui me dit sur quel intervalle je vais étudier ma fonction, il est lié au, pour tout réel x qui est écrit ici dans ma question. Donc le sur r, il vient de ce truc-là. Donc ça vient de l'énoncé. Si vous voulez, de toute façon, le r ici, il est lié à l'intervalle de l'énoncé. Bien sûr, si on veut le faire proprement en termes de rédaction, la première chose à dire, c'est... Alors pour le moment, vous ne savez pas parler du domaine d'une composée. Donc je ne veux pas vous imposer de choses là-dessus, on va faire un chapitre là-dessus bientôt, dès qu'on aura fini les intégrales, mais on va prendre du temps sur les intégrales, vu que j'ai vu hier qu'il fallait décrasser quand même un petit peu sur les intégrales. C'était un peu dur. Alors que le reste, je trouvais que vous étiez vraiment très performant. On a f, qu'on va juste mettre pour le moment, qui est dérivable sur r. Comme somme maintenant est composée de fonctions de référence dérivable. Alors, on peut parler de la fonction x qui donne moins x qui est dérivable sur r. La fonction exponentielle, qui est une fonction de référence, qui est dérivable sur R. Et vous devez quand même, je sais que ça fait un peu bizarre du coup de dire que c'est dérivable au global sur R alors que X donné ln(x) est dérivable sur 0 plus l'infini. Mais en gros, le concept, on verra quand on va parler du domaine des composés, c'est assez simple. Le ln n'est dérivable que sur 0 plus l'infini. Mais le nombre à l'intérieur du ln, c'est 1 plus exponentielle moins x. 1 plus exponentielle moins x, quel que soit le x réel, donne toujours un nombre qui est à valeur dans 0 plus l'infini. Donc 1 plus exponentielle moins x tombe dans le domaine du ln, donc la composée marche sans aucune difficulté. Mais donc on a bien cette fonction dérivable, on peut donc la dériver. On y va. F' de x, c'est la dérivée d'une composée. Je vais très vite ici pour gagner un tout petit peu de temps. Je vous assure que cette dérivée de composée va vous donner ça. On va mettre au même dénominateur. Pour mettre au même dénominateur, je vais avoir du moins exponentiel moins x plus du exponentiel moins x facteur de je vais développer mon numérateur. Oui. C'est trop bas? Ok, je vais essayer de le faire au maximum, mais je vais être clair, t'es tout au fond, il y a de la place devant. Donc c'est aussi une façon... Soyons clairs, il y a plein de places dans la classe, vous voulez vous mettre au fond, venez pas vous plaindre que vous voyez pas le bas du tableau. Je vais essayer de me limiter si j'y pense, mais ça va pas me faire de la peine si j'oublie, t'en fais pas. Mince, ah bah du coup, voilà, du coup j'ai voulu développer, j'ai oublié de développer, j'ai réécrit deux fois la même chose en bas. Je voulais développer, j'ai oublié de le faire. Alors pour une fois, là c'est juste une idée, je sais qu'on pourrait simplifier ce exponentiel moins x au carré en un exponentiel moins 2x, mais pour une fois je vais le garder au carré.
Tout simplement parce que c'est sur. Vous voyez, là, c'est juste une stratégie liée au fait de à quel calcul je fais. Mes deux exponentielles ici vont se simplifier. Ça va simplifier avec ça. Du coup, il va me rester du exponentiel moins x, le tout au carré sur 1 plus exponentiel moins x. Le fait de l'écrire, de le garder comme ça écrit au carré, qu'est-ce que je veux pour la dérivée? Son signe. Et comme ça, je sais instantanément que c'est un carré. Donc ça, je peux toujours dire que c'est positif. Je peux même mettre strictement positif, par positivité de x donné x carré, et stricte positivité. Oui, Emma? J'ai développé, j'avais une parenthèse, donc j'ai développé, j'ai, si tu veux, ici, j'ai, pareil à côté, mais la dernière ligne, ça sert à rien, j'ai distribué mon exponentiel moins x sur cette double parenthèse. J'ai développé cette partie-là. Mais quand j'ai mis au même dénominateur, j'étais obligé de l'écrire comme ça. Par positivité, stricte positivité de l'exponentielle. Je vais effacer un petit bout, au moins toute ma dérivabilité ici, sans effacer le calcul pour gagner un peu de place. Du coup, je peux faire un tableau de variation de cette fonction f. Je vais avoir moins l'infini, je vais avoir plus l'infini, je vais avoir f'. Je vais avoir une fonction strictement croissante. On n'a pas fini pour trouver cette question. Cette question n'était pas simple. Maintenant que j'ai le tableau de variation de f, mon but était de trouver le signe de f. Il y a deux cas simples où j'aurai le signe de f. Je vais le mettre au brouillon, mais pour que vous compreniez, soit on obtient un 0 ici en bas et la fonction f est toujours positive, soit on obtient un 0 ici en haut et la fonction f est toujours négative. Ça, c'est le concept. Maintenant, soyons intelligents pour savoir quelle limite on regarde en premier. Le but de notre exercice, vu comment j'ai posé ma fonction, j'ai tout passé à gauche, je voulais donc prouver que f était négative. Donc, ce que je vais aller regarder, c'est pas la limite en moins l'infini, mais la limite en plus l'infini. Donc, il faut regarder cette limite. Je rappelle, f de x, elle s'écrivait comment? Elle s'écrivait ln de 1 plus exponentielle moins x. C'était moins exponentielle moins x de mémoire. Donc ça va tendre quand x tend vers plus l'infini. En plus, ça va m'aider vu que la limite elle est très très simple dans ce cas-là. Ça va être de la forme ln de 1 plus 0 moins 0. Je fais du zèle. Si déjà vous avez déjà fait toute l'étude, on vous embêtera pas là-dessus, mais au cas où c'est une question vraiment purement de limite, on vous demanderait par composé de limite les fonctions x, p, ln étant continue. Ça fait bien au final de tous les calculs, 0. Donc, maintenant que j'ai ce tableau de variation là, je peux finir en dessous. On a donc pour tout x appartenant à R, f de x qui est négative ou nulle, même strictement négative vu qu'elle n'atteint pas sa limite et qu'elle est strictement croissante, f de x strictement négative, ce qui est équivalent à dire que ln de 1 plus exponentielle moins x moins e de moins x strictement négative, ce qui est équivalent à écrire que ln de 1 plus exponentielle moins x plus petit qu'exponentielle moins x. Et on a bien prouvé notre question. Et vous allez voir que ce qu'on vient de faire, c'est la partie la plus dure de cet exo. Prouver des inégalités sur les fonctions, c'est beaucoup plus dur que prouver des inégalités sur les intégrales. Mais une fois qu'on a obtenu des inégalités sur les fonctions, on va pouvoir derrière, sans aucune difficulté, du coup, en déduire des choses sur les intégrales. Donc, je vous laisse finir de noter ça. Et on passe à la deuxième partie qui était en déduire que pour tout n plus grand que 1, dn est inférieur ou égal à 1. Est-ce que je peux effacer au-dessus du tableau de variation? Mince.
Donc, la deuxième question, je rappelle, c'était dn, c'est l'intégrale de 0 à n de ln de 1 plus exponentielle moins x dx. Et on veut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, dn est plus petit que 1. C'est ça qu'on nous demande. Alors ça aussi, dans les sujets, je veux que vous ayez une idée en tête, et cette idée, elle est simple, et je vous assure à 100% que ça a tout le temps marché comme ça. Dn ici est une surface. On vous demande de comparer dn à un nombre qui est 1. On ne comparera jamais une surface à un nombre. On comparera toujours une surface à une surface. Donc, ce 1 qui est écrit là, il ne faut vraiment pas essayer de faire forcer le 1 apparaître de n'importe quelle façon, enfin, essayer de faire de la magie noire. Il doit y avoir une idée d'encadrement de surface naturelle à utiliser. Si vous l'utilisez, la surface que vous allez créer sera très certainement primitivable et donc on pourra transformer la surface en nombre. Kéliane ? Exactement, à chaque fois. Parce que la seule propriété quand on a une intégrale aussi compliquée, et c'est pour ça aussi que je vous ai dit qu'on pourra rarement primitiver les intégrales qu'on va considérer, est-ce que là, ce nombre dn, on sait le calculer? Absolument pas. Ceci, on pourrait vérifier, mais ceci, clairement, c'est pas une primitive de référence. Et si on veut commencer à poser des formes de référence, on peut essayer, je vous assure, que ça ne va pas primitiver ça. Donc ça, on ne sait pas primitiver. Donc clairement, pour arriver à contrôler, c'est d'ailleurs pour ça que la question ne demande pas de calculer dn, mais de montrer que c'est plus petit que 1, c'est que dans les trois quarts des exos, on va vous donner une intégrale, c'est sûrement qu'elle est compliquée, que vous ne pourrez pas la calculer, ou alors qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de questions. Et si vous ne pouvez pas la calculer, on va chercher à la contrôler, c'est-à-dire à l'encadrer pour avoir une idée de son comportement. Parce que typiquement, soyons clairs, pourquoi on va beaucoup travailler sur les intégrales en termes d'analyse de risque. Si vous devez travailler dans l'analyse de risque, dans les assurances plus tard, si vous devez travailler dans des modèles d'assurance et essayer d'affiner les modèles pour être un petit peu plus compétitif que vos adversaires sur les prix, enfin vos concurrents, pardon, vous allez bosser sur des trucs comme ça. Alors bon, il n'y aura pas beaucoup de postes comme ça. Vous allez beaucoup vendre et pas beaucoup faire de maths, mais il y a des postes vraiment de gens qui sont chargés de créer ces modèles-là et de bosser sur des choses comme ça. C'est moins de postes. Et ça vous intéresse peut-être pas, mais je préfère le dire. J'efface le bas. Donc, toujours la même chose pour essayer de contrôler certaines surfaces. On va essayer d'encadrer les surfaces. Alors, je vais quand même l'écrire. On cherche à encadrer. Ici, majorer. La surface. Ceci est toujours très facile. Ce sera peut-être pas tout le temps le cas, mais c'est toujours très facile si l'on sait encadrer, donc ici c'est la même chose que majorer, la fonction sous la surface. Ici, on a, puisque c'est pour tout x appartenant à R. Je vais même me permettre de l'écrire juste pour tout x appartenant à l'intervalle où je vais regarder. Donc pour tout x appartenant à 0n, j'ai bien que ln de 1 plus exponentielle moins x est plus petit qu'exponentielle moins x. Donc, et je vais refaire une parenthèse sur le cours très très vite, sur ce que je vais vous écrire là. Je remets ça 10 secondes pour expliquer ce qui va suivre. Donc, par positivité de l'intégrale, et là maintenant je vous fais relire la positivité de l'intégrale qu'il faut comprendre, pour une fois je n'ai pas mis de dessin et d'explication, je l'explique juste après, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. Cette propriété s'écrit en si et alors. Si je l'ai écrit en si et alors, c'est très ça. C'est parce qu'elle ne s'écrit pas en si et seulement si. Ce qui veut dire que si vous partez de ça, vous impliquez le fait que l'intégrale
de 0 à n de ln de 1 plus exponentielle moins x dx est plus petit que l'intégrale de 0 à n de exponentielle moins x dx. Donc le si alors me donne l'implication qui est là. Pourquoi c'est une implication? À cause de juste de ce dessin-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je vous fais un petit dessin ici, même sur 0,1, on s'en fiche. Imaginez que je vous donne une grande surface ici à hauteur 1, surface rectangulaire comme ça, et que je vous donne une magnifique courbe qui ferait ça. Bah même juste ça, tout simplement. Même de droite. Est-ce qu'on est bien d'accord que dans mon dessin, la surface bleue, donc si j'appelle ça F en bleu et si j'appelle ça G en noir, est-ce que vous êtes bien d'accord que la surface bleue est plus petite que la surface noire? Donc on a que l'intégrale de la surface bleue est plus petite que l'intégrale liée à la fonction noire. Par contre, clairement, on n'a pas que pour tout x, la fonction bleue est en dessous de la fonction noire. Donc à cause de cas comme ça où les intégrales peuvent être dans un sens sans qu'on ait d'inégalité sur les fonctions, on n'a pas de réciproque, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est très facile quand on a un encadrement de la fonction. Si on n'a pas d'encadrement de la fonction, c'est beaucoup plus dur de trouver un encadrement de l'intégrale. Maintenant, que se passe-t-il? Et c'est là qu'il y a de la magie. Donc dn est plus petit que l'intégrale de 0 à n d'exponentielle moins x dx. Et là, maintenant, c'est juste de la pure magie que cette intégrale-là se calcule, est primitive. Donc ça se primitive, c'est une primitive de référence. Ça se primitive en exponentielle moins x sur moins 1, si vous voulez, c'est du exponentiel moins alpha x. Donc ça fait du exponentiel alpha x sur alpha, à prendre entre 0 et n. Ça me fait donc, je vais l'écrire tout doucement, du moins exponentiel moins n, moins moins exponentiel moins 0. Donc pour tout n, cette fonction vaut 1 dn vaut 1 moins exponentielle de moins n. On va conclure, on va finir ce petit truc-là et on a gagné. Il faut conclure, on voulait montrer que dn était plus petit que 1. Bah, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est 1 moins un nombre. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce nombre? Il est strictement positif. Or, exponentielle moyenne strictement positif, c'est une exponentielle, tout simplement. Donc ça, c'est équivalent à ce que moins exponentielle moyenne strictement négatif. Donc c'est équivalent à ce que 1 moins exponentielle moyenne strictement plus petit que 1, ce qui est donc équivalent à ce que dn soit strictement plus petit que 1. Je viens de faire une sorte d'amorce partant de la propriété que je viens de dire qui permet de conclure que c'est plus petit que 1, que l'exponentielle est strictement positif. On a même donc prouvé strictement mieux que le sujet, on a prouvé que dn est strictement plus petit que 1. Est-ce que ça vous va ce principe de... croissance de l'intégrale ou de positivité de l'intégrale qui permet à partir d'une inégalité existante de maîtriser la fonction. Si vous maîtrisez ce principe-là, vous pouvez dégager un nombre d'exos complètement hallucinant, même au niveau concours à la limite, rien qu'en maîtrisant tous ces outils-là vraiment à la perfection. On va d'ailleurs faire un exo pour voir ça juste après. On va faire l'exercice 2 du TD d'hier. C'est une suite d'intégrales de mon invention. Mais c'est pour vous montrer un truc classique, c'est que j'ai pris... je l'ai inventé dimanche pendant que vous préparez votre TD, mais je peux vous en inventer une centaine d'autres sans aucune difficulté, qui marcheront toujours de la même façon, et qui seront des exos toujours qui auront la même structure. Non, je ne vais pas effacer le bas. On va juste arrêter là. Je laisse ça 2 minutes. Je vais juste essayer de retrouver. Ah, est-ce que je l'ai mis? C'est au 13, donc je ne l'aurai pas. Et je ne l'ai pas là et je n'ai pas Internet. Ah! Bon, je vais le recopier. Thank you.
Donc c'est l'exercice 2 du TD d'hier. Je j'ai pas l'énoncé là sur mon ordi, enfin j'ai pas le fichier, donc je l'ai recopié à la main. J'ai pas recopié exactement le sujet, mais c'est fait exprès. Pourquoi j'ai pas recopié exactement le sujet? Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de connaître le sujet. Le sujet s'écrira toujours comme ça, plus ou moins. Plus ou moins, c'est-à-dire que on va à chaque fois vous donner plus ou moins de précision sur les inégalités à obtenir ou les choses comme ça, mais la structure sera très 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 très, très souvent la même. On va vous donner une suite d'intégrales. Cette suite d'intégrales, on va souvent vous en demander son signe. Ensuite, on va vous demander la monotonie de la suite. Très souvent, rien que ça, ça vous permettra par un théorème de la limite monotone de montrer qu'elle converge, cette suite. Mais le théorème de la limite monotone ne vous donne pas la valeur de la limite. Et ceci n'est pas une suite de la forme un plus 1 égale f de un. Donc, vous ne pouvez pas faire l'équation limite. Donc, vous ne pouvez pas trouver la valeur de la limite. Donc, il y a une deuxième partie souvent à l'exo où on vous donne une inégalité à prouver sur les fonctions. L'inégalité à prouver sur les fonctions menant très généralement à une inégalité sur les intégrales. L'inégalité sur les intégrales vous permettant, tout quasiment toujours par théorème des gendarmes, de trouver la limite de la suite. Et ça, je peux vous en faire des centaines de variantes. Et il y en a plein. Et c'est, enfin voilà, c'est juste du classique. Donc, on en retravaillera plusieurs, mais ça marche comme ça tout le temps. Donc ça, c'est une structure qu'il faut faire. Si l'exo, le premier exo que je vous ai fait faire dans le TD hier, là, l'exo Amérique du Nord 2009, là, c'est exactement ça que je vous ai fait faire. Enfin, soyons clairs, il y avait de la positivité de l'intégrale pour montrer que la suite était positive. Ensuite, on l'avait encadré, etc. Il y avait vraiment tout ça. Toutes les questions de 3 jusqu'à 4B, c'était ça. Oui, bien sûr, après, si on veut s'amuser un petit peu avec vous, on peut vous rajouter d'autres questions. Typiquement, je peux rajouter une question 0 pour tester d'autres compétences qui est calculer I1. Et là, maintenant, si je vous demande de calculer I1, c'est calculer une intégrale. Donc là, c'est du calcul de primitive, forme de référence, tout simplement. Mais sincèrement, si je rajoute cette question, ça n'a aucun intérêt vis-à-vis du but de l'exercice. C'est uniquement pour tester cette compétence-là sur vous, par exemple. Faisons-le quand même calculer hier. Tiens, Oussama, Simon, Arthur, si je vous demande I2, comment on calcule la primitive? Bravo. C'est la fonction arctangente, on la voit bientôt. Hein? On s'en sert jamais d'arc tangente. Il faut que tu refasses un petit peu d'intégration. Si je suis obligé de parler d'arc tangente pour faire le vrai chapitre d'intégrale, c'est qu'il y a une raison. C'est ce qui permet de justement décomposer toutes les fractions, rationnelles. Mais bon. Calculons I1. Faisons la question 0. Excusez-moi, c'était une parenthèse, mais. Donc, je veux calculer I1. Donc, I1, c'est l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 1 plus x dx. Encore une fois, est-ce que quelqu'un voit comment primitiver ça de tête? Ce n'est pas une primitive de référence, mais par analogie, on peut tenter quelque chose et voir quelque chose. Donc là, je préférerais tester pour une fois la méthode intuitive, que je vais appeler intuitive. Et après, je ferai ma méthode technique blabla qu'on a déjà vu. Comment vous auriez envie de primitiver ça, Arthur? Oui, alors l'idée pour moi, la méthode intuitive, c'est 1 sur x se primitive en ln x, tentons ln de 1 plus x. Donc pour tenter ça, ça encore, brouillon. Hein. Moi, ce que je vais faire, c'est je pose grand F de x égale ln de 1 plus x. On a alors grand F prime de x qui est égal à 1 sur 1 plus x. Donc, l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 1 plus x dx, je vais un peu vite là. Mais donc, en fait, la conclusion, c'est que grand F est bien une primitive de, 1 sur 1 plus x. Donc ça, c'est bien du F de x à prendre entre 2 et 1.
ça fait du f de 2 moins f de 1. Et f de 2, ça fait du 1 tiers... Non, je suis en train de parler de la... D'accord, et je vais trop vite, excusez-moi. Ça fait du ln de 3 moins ln de 2. Attention pour le calcul, j'ai été un peu trop vite. Ça passe bien, j'ai bien tout cadré ici. Oui, c'est bon, ça passe bien. Ok, méthode intuitive, c'est bon. Je vais refaire la méthode... Alors, quand je vous donne ces méthodes-là qui marchent toujours mais qui sont longues, je vais souvent les appeler de la même façon, parce que c'est comme ça. C'est ce que j'ai appelé la méthode besogneuse. Parce que de toute façon, en maths, il y a toujours plus de deux méthodes. Soit vous avez des intuitions divines et vous êtes un génie et vous avancez vite, tant mieux. Mais sinon, il y a toujours un moyen de contourner. Il faut savoir, je préfère 100 fois que vous sachiez faire tout le temps, quoi qu'il arrive, que vous dites, mais monsieur, j'ai toujours su primitiver toutes mes fonctions de tête sans jamais réfléchir. Bon, bah, le jour où je vous coince, et que vous avez trouvé plus de tête, vous faites comment, quoi. Bref. Tant que ça marche bien pour vous, tant mieux, mais ayez quand même une solution sous le coude en cas de panique. Méthode besogneuse, bah, qu'est-ce qu'on peut poser comme version de U de X? Là, je vois pas beaucoup de choix à part poser U de X égale 1 plus X ou U de X égale 1 sur 1 plus X. Et ça, j'ai toujours dit que U de X égale 1 sur 1 plus X, c'était toujours mauvais. Donc, enfin, je redétaille encore tout, mais donc on va plutôt poser U de X égale 1 plus X, ça fait U prime de X égale 1. Donc là, maintenant, je vais même me permettre d'aller un tout petit peu plus vite. Je vais recopier d'abord avec du U de X. Ben non, je vais faire en deux étapes quand même, ça. Ça, je vais dire que c'est du 1 sur U de X dx. Et quand je veux faire forcer mon U prime de X, comme mon U prime de X vaut 1, je pars multiplier derrière et diviser par 1. Je vais directement l'écrire sous la forme U prime de X sur U de X. Et ça, vous devez savoir instantanément que ça se primitive en ln de valeur absolue de u de x. Attention, si vous passez par là, clairement, je vais voir ma valeur absolue. À part ça, c'est la même chose, on tombe sur la même valeur, etc. Donc à vous de voir quelle méthode vous préférez, enfin pas quelle méthode vous préférez. Vous avez le droit d'intuiter et de rédiger ça vite fait. Je vous dirai jamais rien pour ça, mais il faut que vous sachiez faire si vous n'intuitez pas ce résultat. Du coup, on a fait la question 0, c'est-à-dire la question inutile qui m'intéresse pas. Passons à la vraie question vraiment utile et que je veux que vous franchissiez tous à chaque exo, la question 1. Et je pense vraiment que c'est pas dur. Je peux effacer ma méthode intuitive ? Ça allait jusque 1. J'ai mordu un peu mon 1. Question 1. Donc ce que je dois montrer, c'est que IN est positif, c'est-à-dire que l'intégrale de 1, 2 de 1 plus sur 1 plus XN dx est positif. Ceci est le phénomène le plus standard de, oui, de positivité de l'intégrale, exactement maintenant. Donc, on va juste l'écrire. On a 1 plus xn supérieur ou égal à 1 même sur 1, 2. Je peux mettre ici car xn positif. C'est même plus grand que 2, en fait, parce que sur intervalle 1, 2, j'ai même xn qui est plus grand que 1. C'est pas gênant. Oui, mais ça va pas aller pour mon inverse. Donc c'est pas une amorce que je fais, c'est juste je dis donc que l'inverse d'un nombre positif est un nombre positif. Donc 1 sur 1 plus xn est strictement positif. Et c'est même strictement positif parce que c'est pas défini en 0 l'inverse. Oui, Emma? C'est un 2. C'est xn, t'es d'accord que sur l'intervalle 1, 2, xn c'est plus grand que 1?
de puissance sur l'intervalle 1 jusqu'à 2. Donc si xn c'est plus grand que 1, là c'est vraiment une amorce. Xn plus 1, c'est plus grand que 2. Donc ce nombre-là est strictement positif et les bornes sont ordonnées de façon croissante. Alors là, c'est moi qui fais du zèle. Vous verrez toujours écrire ça, moi, mais les autres profs, vous verrez, les bornes sont croissantes. Là, je fais mon prof de maths de première année récalcitrant. Ce qui est croissant pour vous, normalement, ce ne sont pas des nombres, ce sont des fonctions. Donc, quand on écrit les bornes sont croissantes, je veux juste pas que vous fassiez d'amalgame avec des bornes, ce sont des fonctions. Donc, je mets les bornes sont ordonnées de façon croissante pour dire les deux nombres peuvent se comparer dans le bon sens. Mais moi, si vous m'écrivez même les bornes sont dans le bon sens, c'est ce que je vois sur un maximum de copies, ça me va. Mais le bon sens n'étant pas très clair non plus, la seule façon pour moi 100% correcte d'écrire ça, c'est les bornes sont ordonnées de façon croissante par positivité de l'intégrale. On va avoir l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 1 plus xn dx qui va être positif. Il y a une positive. On n'a pas fini. On nous demande derrière la monotonie de la suite. La monotonie de la suite. Je vous demande la monotonie. Je n'ai pas précisé dans l'exo quel était le sens de monotonie. Je voulais justement que vous découvriez par vous-même qu'on n'a même pas besoin de vous préciser le sens de variation. Si je vous demande la monotonie, vous devez savoir que c'est uniquement l'étude du signe de la quantité in plus 1 moins in. Et encore une fois, c'est une suite d'intégrales. Donc trouver la monotonie de cette suite revient 99,9% du temps à utiliser la positivité de l'intégrale. Donc ça, on va écrire que c'est l'intégrale de 1 à 2. De 1 sur 1 plus x puissance n plus 1 moins dx moins l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 1 plus x puissance n dx. Ce sera toujours le même schéma à chaque fois. La première étape est d'utiliser la linéarité pour regrouper ces deux intégrales en une seule. Ça devient l'intégrale de 1 sur 1 plus x puissance n plus 1 moins 1 sur 1 plus xn dx. Je mets des crochets, mais ça pourrait être des parenthèses. Ce ne sont pas les crochets qu'on met d'habitude quand on enlève l'intégrale. Maintenant, une fois que vous êtes là, dès que vous avez tout regroupé sous une seule intégrale, vous devez penser, si je connais le signe de la fonction sous l'intégrale, j'ai le signe de l'intégrale. Point. Maintenant, on revient sur nos méthodes de fonction et non plus sur nos méthodes d'intégrale. Quand on a une fonction, pour trouver son signe, le signe d'une somme n'est pas facile. 100 moins 1000, c'est négatif, 1000 moins 100, c'est positif. Donc le signe d'une somme, on ne sait pas faire. On sait beaucoup plus faire les signes de produit. Donc essayons de transformer ça en produit. Il y a des fractions, il n'y a toujours qu'une seule et même méthode logique. Pour moi, simplifier ces fractions et les transformer en produit, on va mettre au même dénominateur. Là, par contre, il est toujours très important d'essayer de trouver le bon dénominateur commun. Ici, par contre, il faut être clair, c'est qu'il n'y a pas de simplification du dénominateur. Il n'y a pas de facteur commun entre 1 plus x puissance n et 1 plus x puissance n plus 1. Du coup, le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Point. Donc, je vais mettre au même dénom. Ah, je ne dois pas écrire en bas. Grrr. Je peux effacer la positivité ici. Ça me permet de ne pas écrire trop bas pour le moment et après j'effacerai le haut. Bien sûr, si on voulait retrouver. On peut aussi faire par amorce. C'était qui? C'était Mohamed Amin qui me l'a fait comme ça hier. Cette question-là, tu l'as fait par amorce, je crois, de mémoire. Je peux vous montrer ça après aussi. Mais on peut aussi faire par amorce plutôt que de trouver, transformer ça en produit. Mais par contre, de quelle amorce partir, il faut le voir. C'est pas si simple que ça. Du coup, je mets au même dénominateur. Si je mets au même dénominateur, je vais me retrouver avec du 1 plus xn et du moins 1 plus x puissance n plus 1 dx
Donc maintenant que j'ai ça, j'ai même plus besoin de mes crochets, en fait. J'aurais même pas dû recopier mes crochets. Je développe ma parenthèse, je vais pas trop vite, ça fait ça. Il est déjà midi, mais vous me dites pas d'arrêter. Mais vous devez aller manger, vous aurez pas le temps de manger. Ah! Fini quand même ça 10 secondes parce que j'ai pas envie de reprendre ça, mais Je vais très vite pour la fin. Ceci est positif. Ceci est négatif. Attention. Donc le produit est négatif. Attention. Inférieur ou égal à zéro. On a un terme négatif. Ça sonne à midi maintenant, pas à 11h55. Mais ouais, mais la première. Normalement, ça doit sonner une première fois. Bon. Donc, par positivité de l'intégrale, ce signe est négatif. Je repars de là. Jeudi. Non, cet après-midi, on aura le temps pour un peu de temps. Ah mince, c'était un 2, les bornes de l'intégrale, exactement. Ça change pas grand chose à mon raisonnement, mais en tout cas, c'est vrai que les bornes de l'intégrale n'étaient pas 0,1. Donc j'efface, excusez-moi, ça c'est pas du 0, ça c'est pas du 1, et ça c'est pas du 0,1 non plus. Et je vais essayer de réécrire un petit peu mieux ça. Voilà. Alors, donc c'était du 1,2, c'est du 1,2, c'est du 1,2. En x, c'est bien du 1,2, ce qui ne change rien à... En plus, j'ai dit n'importe quoi. Si c'était 0,1, du coup, j'ai tellement 1 moins x, si x est entre 0 et 1, ça aurait été positif. Du coup, c'est ça qui change tout, en plus. Donc, pour que ce soit négatif, il faut bien que x soit plus grand que 1. Le 0, il n'est pas là-bas au bout. Le 0, il est ici. Il est en 1, il n'est pas en 2. Et donc, ma quantité qui est x puissance n 1 moins x, sur 1 plus x puissance n, 1 plus x puissance n plus 1, et globalement sur l'ensemble de mon segment négatif, 2 plus, les bornes sont ordonnées de façon croissante, par positivité de l'intégrale. On a que in plus 1 moins in est négatif, ce qui implique que la suite in, qui est équivalent, c'est la même chose pour moi, est décroissante. Voilà pour la fin de cet exercice-là. Enfin, de cette question-là, en tout cas, de l'exercice. Est-ce que ça vous va? Du coup, on va enchaîner avec la suite de l'exercice. La suite de l'exercice, c'est on passe dans la partie d'après. On a une suite dont on sait qu'elle est décroissante minorée par zéro, donc forcément, elle converge par théorème de la limite monotone. Mais puisqu'on n'est pas dans le cadre d'une suite qui est définie par un plus 1 égale f de un, ce théorème de la limite monotone ne nous donnera jamais la valeur de la limite. Donc, pour trouver la valeur de la limite, si on ne sait pas primitiver brutalement la suite IN, il va falloir l'encadrer pour essayer de la faire converger par un théorème des gendarmes. Donc, essayer de l'encadrer, c'est essayer de contrôler la fonction sous l'intégrale, mais par une fonction dont on va savoir calculer la primitive. Ah, donc, c'est ce qui est fait dans la suite du sujet. Je me permets d'effacer là-haut. Donc, dans la suite, on nous demande en 3 ou quelle question c'était, de montrer que pour tout x appartenant à 1, 2, on a que 1 sur 1 plus x puissance n qui est plus petit que 1 sur x puissance n. Bon, question très bête, hein, ça c'est pas du tout dur à montrer. Attention, on va faire une belle amorce bien bête.
On a 1 qui est plus grand que 0. Donc, 1 plus xn est plus grand que xn. Donc, et là par contre, hein, où je vais mettre là une équivalence, hein, si je veux, mais c'est sinon c'est juste. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je compose par x qui donne 1 sur x, qui est strictement décroissant. Ça, j'aurais pu demander l'inverse. Il y a souvent des, vous avez souvent des bugs sur l'inverse, sur le fait qu'elle est négative dans les négatifs et positive dans les positifs. Je peux effacer ma conclusion. On est reparti. Donc, j'ai bien cette inégalité-là. Il fallait montrer ça et il fallait aussi montrer un en déduire que j'avais écrit tout à l'heure. Le en déduire, j'avais dit en déduire un encadrement de IN. Je ne le connais pas de tête, mais on voit clairement en déduire un encadrement de IN. Bah donc, on a, pour tout x appartenant à 1, 2, on utilise ce qu'on nous donne. 1 sur 1 plus x puissance n, qui est plus petit que 1 sur x puissance n. Ça, je vous ai rappelé que la positivité de l'intégrale, ça vous donne un si et alors, donc une implication. Ça implique donc que l'intégrale de 1 à 2, de 1 sur 1 plus x puissance n dx, est plus petit que l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur x n dx. Alors, soyons clairs aussi sur ça en termes de rédaction. Quand vous êtes dans un exercice en train d'avancer en DS et que vous m'avez déjà utilisé 2-3 fois la positivité de l'intégrale, précisez toujours que vos bornes sont dans le bon sens pour pas qu'on puisse vous pénaliser de quoi que ce soit. Mais il y a un moment où quand vous dites 2 fois les bornes sont dans le bon sens, donc par positivité on a ça, les bornes sont dans le bon sens, donc par positivité, là on est à la 3e fois. Ça me permet juste de dire les bornes sont de bon sens. On sait très bien que ce que vous utilisez à ce moment-là, c'est la positivité de l'intégrale. Donc, on ne va pas venir vous embêter trop au bout d'un moment. Donc, on obtient ça. Ah, donc, ça implique, c'est la même chose que IN est plus petit que ce truc-là. Ah, et donc, si on nous demande un encadrement sans intégrale, entre guillemets, c'est qu'on doit pouvoir calculer cette intégrale. Alors, soit comme primitive, soit comme forme de référence. Alors, ce genre d'intégrale est souvent une intégrale sur lesquelles vous avez du mal à travailler, parce que vous avez du mal à reconnaître une forme de référence. Ça, c'est parce qu'on vous a pas trop appris à manipuler proprement les puissances, mais moi, je vais vous le réécrire comme ça. Il faut que vous appreniez à le faire quand vous avez des quotients de puissance comme ça dans une intégrale. Ceci, c'est la même chose que ça. Du 1 sur x puissance n, c'est du x puissance moins n. Maintenant, dans votre tableau, là, si vous voyez ça, parce que le problème, c'est que si vous voyez la première forme et que vous dites « Ah non, ça, 1 sur x puissance n, c'est pas dans mon tableau », vous voyez pas que c'est une forme de référence, enfin, vous voyez pas que c'est une primitive de référence, et donc vous essayez de réfléchir à une forme là-dessus, mais il n'y a pas de forme, c'est une primitive de référence. Donc, il faut penser à avoir ça. Si vous avez du 1 sur x puissance n, c'est du x puissance moins n. Donc maintenant, si je vous l'écris comme ça et que je vous pose la question, est-ce que c'est une primitive de référence? La réponse est instantanément oui. On sait primitiver x puissance a. Il y a 2 cas. Soit la puissance est la puissance moins 1. Dans ce cas-là, ça se primitive en ln. Soit si la puissance a n'est pas la puissance moins 1, ça se primitive en x puissance a plus 1 sur a plus 1. C'est-à-dire que ça, c'est ni plus ni moins que x puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 à prendre entre 1 et 2. Je vais quand même préciser si n différent de 1 ou si moins n différent de moins 1. C'est la même chose. C'est-à-dire que sinon, si on a une puissance moins 1, vous le savez, la primitive de 1 sur x,
CLN. C'est le seul cas particulier de cette formule. Donc maintenant, il faut finir ce calcul. Je vais effacer ce que j'ai mis là-haut pour finir le calcul. Je finis juste le calcul de mon crochet, donc je repars ici. Vous pouvez vous continuer à la suite. Moi, c'est juste que j'ai plus de place en bas. Donc je fais une petite étoile ici en bas. Je repars là-haut sur ce calcul-là. Ça va donc me faire du... N'allez pas trop vite, prenez votre temps pour pas dire de bêtises. 2 puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 moins 1 puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1. Alors, on va écrire quand même quelque chose d'autre. 1 puissance n'importe quoi. Ça fait 1. J'ai du moins moins n plus 1 ici. Donc ça, je vais le réécrire tout simplement comme du 1 sur n moins 1. Ça, c'est ce terme-là que je simplifie. C'est tout ce moins-là, ça écrit ici. Et pour l'autre terme, du coup, j'ai bien du moins n plus 1 au dénominateur. Donc je vais plutôt, pour ce premier terme-là, faire passer le moins qui est au dénominateur devant la fraction. Si je le mets devant la fraction, ça va me faire du moins n moins 1. Et le numérateur, c'est du 2 puissance moins n plus 1. Ça, je vais juste le réécrire en deux temps. Je vais dire que c'est du 2 puissance moins n fois du 2 puissance 1. Tout ça pour écrire, si on veut simplifier un tout petit peu la vie, c'est du 1 sur n moins 1, facteur de moins 2 sur 2 puissance n moins 1. Est-ce qu'on peut encore tout simplement factoriser par n moins 1 si je factorise ici? C'est du 1 sur n moins 1, facteur de 1 moins... Alors 2 sur 2 puissance n, ou on peut même descendre la puissance comme ça, comme vous voulez, je m'en fiche un tout petit peu. Enfin, je m'en fiche même totalement. Mais en gros, il faut que vous compreniez quelle est la taille de ce terme-là. Donc je pense que si vous prenez mon sujet d'hier, c'était exactement la majoration que je vous demandais. Pourquoi je vous ai dit de déduire un encadrement de IN? Parce que je viens de vous donner ça comme encadrement, mais un autre sujet pourrait clairement... Donc moi, je vous demande un encadrement. Un sujet comme le sujet que je vous ai écrit hier vous demande de montrer que IN est plus petit que exactement ça. Je pourrais aussi vous demander ça. C'est juste parce que... pas N plus 1, pardon, excusez-moi. Je vais aller trop vite et du coup, j'ai fait une bêtise. Je pourrais vous demander ça avec du N moins 1. Parce que ça revient juste à dire que le terme qui est en facteur ici est tout simplement plus petit que 1, parce que c'est 1 moins un nombre positif. Donc ça peut dépendre vraiment de plein de sujets de la façon dont on va vous demander ça. Mais le but, c'est toujours de trouver un encadrement de cette suite. Alors, est-ce qu'on a trouvé un encadrement ici? Oui et non. On vient d'obtenir que donc IN est plus petit que 1 sur n moins 1, 1 moins 1 sur 2 puissance n moins 1. Ce n'est pas un encadrement tant qu'on n'a pas une autre borne, mais je vous rappelle qu'à la première question, on avait aussi montré que IN était positive. Donc maintenant, on a un encadrement du IN. Si les choses marchent bien, on doit pouvoir, par théorème des gendarmes, s'en sortir. Alors j'ai factorisé par pur réflexe, mais bon, si factoriser marche aussi, en fait. Que ce soit développé ou factorisé, ça marchera très très bien. Ce terme-là, le 1 sur n moins 1, ça tend quand n tend vers plus l'infini. Ça va être de la forme 1 sur l'infini, on est bien d'accord? Ça tend vers 0. Et ici, le 1 sur 1 moins 2 puissance n moins 1, vous devez reconnaître aussi que ça tend quand n tend vers plus l'infini, bah c'est du 1 moins 1 sur l'infini. Donc ça tend vers 1. Donc par produit, le produit des deux, ça tend donc quand n tend vers plus l'infini vers 0. Donc par théorème des gendarmes, donc j'en profite pour tout de suite vous dire, ça c'est évident pour moi, votre premier DS de maths c'est le samedi 17 octobre ou quelque chose comme ça. Bon, puisque là c'est juste parce que je suis très content de votre travail et de ce que je vois en TD, etc. pour le moment,
Je voulais vous faire passer votre bac pour que vous soyez content d'avoir passé le bac. Mais on en arrive à un niveau où je me dis qu'il faut aussi que vous avanciez. Donc il y aura deux sujets. Il y aura un sujet de bac. Si vous voulez vous rassurer, vous dire maintenant un exo de bac, j'arrive à le faire sans aucune difficulté. Vous aurez une très bonne note à votre DS, tant mieux. Et si vous voulez vous confronter à la difficulté, il y aura un vrai sujet de DS, comme les exo 2 que vous avez à chaque DM, en gros. Maintenant, avec le DM2, DM3, DM4, ce sera des trucs comme ça. Ouais. Mais je suppose que du coup, si on choisit l'un, on ne pourra pas le temps de faire l'autre. Ah non. C'est, vous choisissez, vous avez 5 minutes en début d'heure pour choisir votre DS de 4 heures et vous y cantonnez, quoi qu'il arrive. Bref. L'idée, je peux vous le dire, ça c'est sûr et certain, que vous preniez l'un ou l'autre, j'en suis sûr et certain, vous aurez, quoi qu'il arrive, un exo de suite d'intégral. C'est évident. C'est une compétence trop importante pour que je passe pas dessus, quoi qu'il arrive, que ce soit niveau bac, les exos, comme l'exo Liban 2009 qu'on a fait en TD, pas Liban, Amérique du Nord 2009 qu'on a fait en TD lundi. Petite bac. Et si c'est nous, enfin si c'est plutôt post-bac, on va dire, bah plutôt comme votre exo 2 du DM3. Ça tape un peu plus fort, mais c'est le même genre d'idée globalement. Voilà, donc vous aurez le choix, ce sera vraiment votre choix personnel en fonction de ce que vous avez envie de faire en maths, est-ce que vous avez envie de vous donner confiance pour vous dire c'est bon, je maîtrise des choses. Ça, vous pouvez en avoir besoin, et je le comprends, 100%. Vous pouvez aussi avoir envie de vous dire, j'ai envie de voir ce qui se passe quand je suis seul, sans aide, sans pouvoir revoir mon cours, sans rien, pendant 4 heures face à un truc de vilain méchant. Et il faut que vous appreniez aussi ce que ça fait, quoi. Donc, vous en faites pas. Si vous prenez le sujet bac, la fois d'après, ça vous arrivera et vous comprendrez aussi ce que ça fait. Après, on rigolera plus. Il y aura plus de sujet pour ça. Est-ce que ça va pour cet exercice? Le concept de ces exos seront vraiment conceptuellement toujours la même chose avec des méthodes de calcul ou des recherches de primitives différentes au milieu. Simon? C'est pas écrit comme BCE, mais c'est pour moi, enfin bon, ça j'en parlerai un peu plus tard, mais après c'est à partir du mois de mars. Avant, j'ai pas assez de matière pour pouvoir commencer à parler de sujet HEC ou quoi que ce soit. Mais il faut que je leur explique aussi à tous comment marchent les sujets de concours. Mais ça, on a encore le temps. Là, pour le moment, même si je vous donne des sujets de concours, ce sera très certainement de l'ECE, donc des choses pas encore trop méchantes. Après, quand on tapera dans de l'ECS, ça fera plus mal. Voilà pour ça. Il y a d'autres exos, je verrai peut-être plus tard vendredi l'exercice 3 notamment du poly qui a la même idée, l'exercice 3 du poly TD de lundi, c'est la même idée. Là je voulais, pour les quelques minutes qui restent, il nous reste un petit 10 minutes, elle est où ma souris, je voulais plutôt qu'on réfléchisse à alors ça on sait pas encore le faire. On n'a pas tout fait encore, on va plutôt réfléchir. Alors, on a déjà plus ou moins fait celle-là ce matin d'une autre façon, mais j'ai envie qu'on réfléchisse à celle-ci. Et qu'ensuite, qu'on réfléchisse à l'exercice 17. Et je vous commence à vous parler d'une dernière idée que je veux qu'on développe sur les intégrales, qu'on ne vous a, à mon avis, clairement pas développée l'année dernière. Mais moi, je vais en avoir besoin pour justement vous développer à partir de jeudi la technique d'intégration par partie. Alors, si on veut calculer ça, donc je veux calculer cette intégrale, l'intégrale de 0 à 3 de 1 sur racine de x plus 1 dx. Oui. Oui, non, vas-y. Ouais. Ah, donc tu es déjà sur une méthode de recherche de forme de référence. Ok, d'accord. Non, mais ça me va. Je vais toujours maintenant reparler des deux idées, mais je suis d'accord. Est-ce que c'est une primitive de référence? C'est pas dans votre tableau, donc c'est pas une primitive de référence. Donc, on peut rechercher à poser u de x, et je suis d'accord comme tu m'as parlé. Alors non, pour moi, il y en a deux. Tu as dit qu'il y a racine ou tout. Pour moi, il y en a deux. Il y a u de x égale
x plus 1 où u de x égale racine de x plus 1. Dans les deux cas, ça va marcher d'ailleurs, je pense. Ben, je vais faire les deux. Donc on va faire u1 et u2, et j'efface ça et je réécris u1 et u2. Hop. Donc on va faire une recherche de forme de référence. Je vais d'abord faire u2, c'est celle que tu préfères. Enfin, je vais l'appeler u1 du coup, on va juste changer les noms. C'est celle que tu proposes du coup, Gaspard. Mais si on pose u1 qui vaut ça, il faut savoir dériver u'1, c'est la dérivée d'une composée. Alors la composée avec 1 plus x, c'est pas très compliqué, vu que la dérivée de 1 plus x, c'est 1. Donc le u', dans du verron u, si vous voulez, c'est un 1 ici, et il y a donc du 1 sur 2 racine de 1 plus x qui va arriver. Je vais peut-être un peu vite quand même là-dedans, je vais quand même aller, juste pour vous rappeler, parce qu'on n'en a pas fait beaucoup. Ça, si je veux le voir comme ça, je peux voir que c'est du... Alors, je vais pas la noter verron u, du coup, je vais la noter a rond b. Avec, pour moi, a de x, c'est la fonction racine de x. Et la fonction racine de x, je sais pas la dérivée, je sais dériver x puissance 1/2. B de x, c'est la fonction 1 plus x. Donc b' de x, c'est bien 1. Et a' de x, c'est bien 1 demi de x puissance 1 demi moins 1, qui va me faire du 1 demi de x puissance moins 1 demi, ce qui me fait du 1 demi et du x puissance 1 demi au dénominateur. Est-ce que vous devez aussi retrouver comme ça? C'est comme ça que j'ai fait mon calcul. Et donc là, ce calcul, c'est juste du b' de x fois a' de b de x. Est-ce qu'on est bien d'accord sur trouver la dérivée u' de 1 Alors, là, il va par contre pas falloir... Tiens, c'est un bon cas où il faut pas se tromper. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous dis, faites apparaître u et ensuite faites apparaître u prime. Mais le but d'une forme de référence, c'est surtout de trouver u prime. Toutes les formes de référence sont du u prime. Donc là, je vais tricher un petit peu par rapport à d'habitude, sinon je vais me compliquer la vie pour rien. Quoique, si. Non, je vais le faire comme d'hab. Comme ça, ça va être plus long, mais si vous le voyez, vous pouvez gagner du temps. Ça, pour moi, c'est donc du 1 sur u de x, on est d'accord? Dx, je vais forcer le u' à apparaître. Le u' à apparaître, si je le force en haut, ça va me faire ça. Et en bas, attention, en bas, je vais faire apparaître ceci. Alors, attention à où vous posez vos barres de fraction. Ça, c'est donc de la forme A sur B sur C, entre guillemets comme ça. Donc, il faut bien faire votre inversion de fraction sans erreur. Ça va faire de l'intégrale de 0 à 3, donc ici j'ai du 1 sur u de x. Et quand on va faire, donc le u' va clairement rester au numérateur. Par contre, ce qui va remonter, c'est ceci. Alors, je vous ai dit, il ne faut pas qu'il reste de x tout seul. Et là, vous allez me dire, mais ce n'est pas une forme de référence, monsieur, il reste de x tout seul. Alors, je ne suis pas d'accord parce qu'il faut voir quelque chose ici. Alors, j'ai oublié de remettre des u1, u1, u'1, u1, u'1. Je ne suis pas d'accord avec vous qu'il reste des x tout seul. Parce qu'en fait, ce racine de 1 plus x, oui, en fait, ce racine de 1 plus x, c'est tout simplement u1, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'écrit bien avec notre terme. Donc, pour ceux qui l'ont vu directement, en fait, ça, on peut l'exprimer directement par rapport à u'. J'ai juste fait du zèle au cas où vous ne voyez rien quand vous êtes dans un calcul, mais vous devez vous en rendre compte. Donc ça, ça fait du 1 sur u1 fois u'1 fois 2 u1 de x, dx. Donc maintenant, clairement, j'ai une simplification de ce u1 avec ce 1 sur u1 ici. Ça, ça me fait de l'intégrale de 0 à 3. Je peux sortir le 2, c'est une constante, et il me reste du u1' de x dx. Alors, c'est un cas un peu particulier. Comment on primitive du u1'? Alors ça, c'est un truc, quand vous le savez pas, ça m'énerve parce que c'est évident, mais vous, c'est juste que vous cherchez des trucs compliqués. C'est quoi la primitive de f'? Oui, c'est f. C'est vraiment un principe bête, mais il faut l'avoir en tête, c'est tout. La primitive de f', c'est f. Donc ici, en fait, comment on primitive du u1', c'est du u1. Entre 0 et 3, il y a le 2 devant que j'ai oublié de recopier.
Ça me fait donc du 2 racine de 1 plus 3 moins racine de 1 plus 0. Ça me fait du 2 fois racine de 4, ça me fait du 4. Ça me fait du 4 moins 2. Il y a quand même le racine de 1 qui s'en va pas. Donc au final, cette valeur, ça fait 2. Oui. Et tu tombes sur une forme de référence avec la puissance. C'était l'autre solution que je voulais proposer tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit que tu en avais oublié une, puisque le x plus 1 va marcher aussi ici. Et ça vous montre aussi cet exercice qu'il n'y a pas qu'une seule forme de référence à trouver, on peut en trouver plein. Donc j'ai pas le temps de faire les calculs, je me permets juste d'écrire qu'on peut refaire la même chose et retrouver la même chose. Et j'arrête là, promis. En faisant, vous pouvez retrouver un truc de la même façon en posant U2 qui vaut x plus 1. Dans ce cas-là, vous aurez une forme en puissance. Donc, c'est mal écrit. J'ai voulu aller tellement vite que j'écris mal. J'ai dit U2 de x égale x plus 1, vous aurez une forme en puissance. Troisième idée qu'on pouvait développer, c'était ce que je pensais que tu allais dire au tout début, Gaspard. C'était pour ça que j'étais un peu concentré à essayer de voir ce que tu allais dire. C'était que, OK, 1 sur racine de x plus 1 n'est pas une primitive de référence, mais on sait que 1 sur 2 racine de x se primitive en racine de x. Donc, on aurait pu tenter de trouver une primitive en 1 sur racine de x plus 1 en faisant du 2 racine de x plus 1 et voir si ça marchait comme il fallait. C'était l'idée intuitive. Voilà.